Ce passionné de tauromachie, né à Arles en août 1951, était le petit-fils d'un éleveur de taureaux camarguais. Pour lui, tout commence dans les années 80, quand il fonde avec son frère Marc un élevage de taureaux de combat. 3 ans plus tard, il se présente à Madrid où il alterne avec Luis Miguel Aranz et Diego Garcia de la Peña. Son premier grand triomphe se déroule à Argelès en juillet 85, où il coupe 2 oreilles et 1 queue à un taureau de l'élevage Torrestrel. En 86, il remporte le Rayron d'Or en toréant à cheval à Méjane. Après son retrait de la piste, Luc Jalabert a dirigé les arènes d'Arles de 99 à 2015. Ce sont ses enfants, le célèbre torero Juan Bautista et Lola Jalabert, qui ont ensuite pris sa succession, avec sa disparition aujourd'hui à l'âge de 66 ans, des suites d'une longue maladie. C'est une page dans le milieu taurin camarguais qui se tourne.